Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon 12. Qu'ont-ils vu dans ta maison? Étude de la semaine, Ésaïe 38 et 39, 1 Corinthiens 7 et versets 12 à 15, 1 Pierre 3 et versets 1 et 2, Hébreux 6 verset 12, Hébreux 13 verset 7, 3 Jean 11, Ésaïe 58 verset 6, 7, 10 et 12. Verset à mémoriser. Vous par contre, vous êtes une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnant lumière. 1 Pierre 2, le verset 9. Nous sommes peut-être arrivés à une étape où, grâce à Dieu, nous vivons, en tout cas pour le moment, bien. La famille se porte bien, le travail va bien, la santé et les finances aussi. Ou peut-être que non. Votre foyer est peut-être pour le moment dans la souffrance, dans la tourmente. Quoi qu'il en soit, quand quelqu'un vient vous rendre visite, comme les émissaires de Babylone qui rendirent visite au roi Ézéchias, quelle réponse pouvez-vous donner à la question que le prophète Ésaïe posa plus tard au roi? Qu'ont-ils vu dans ta maison? Ésaïe 39, verset 4. Qu'est-ce que les gens ont vu dans votre maison? Qu'ont vu les anges du ciel? Quel type d'esprit imprègne vos demeures? Peut-on sentir le parfum de la prière? Y a-t-il de la bonté, de la générosité, de l'amour ou bien de la tension, de la colère, de la rancœur, de l'amertume et de la discorde? Quelqu'un qui passe par là s'en ira-t-il en pensant que Jésus vit dans cette maison? Ce sont des questions importantes que nous devons nous poser concernant le genre de foyer que nous avons créé. Cette semaine, nous examinerons plusieurs questions qui peuvent rendre la vie à la maison merveilleuse, malgré les inévitables tensions et difficultés que les foyers rencontrent aujourd'hui. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. La main qui frappe à la porte de notre cœur est celle du Christ. Allons-nous le laisser changer les choses qui doivent l'être dans notre vie? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.